bien, les amis? Pipi, arrête. Oh. Les amis, ils aiment pas ça quand tu cries. Je crie pas. Là, je crie. C'est juste que j'ai une voix insupportable, puis que le gars qui l'a fait, ben, c'est probablement la dernière fois qu'on va l'entendre à la télévision. Pipi, je suis pas contente. Comment ça, jeune vieille? Ben, tu sais mon fameux travail que je devais remettre dans mon cours de quelque chose et qui tient en haleine tous nos téléspectateurs de 2 ans et moins qui sont trop jeunes pour changer de poste? Oui? Ben, je l'ai perdu. Tu parles d'une affaire citron. Je me sens comme une comédienne fâchée. Oh, les enfants, je crois que j'ai fait une petite gaffe. Je me suis servi de son travail pour éplucher mes carottes de l'espace. J'espère qu'elle ne se doute de rien! Je trouve que je l'ai bien, la comédienne qui fait semblant d'être déçue. Hein? Entrez, Oh. Allô, Pépi, allô, jeune vieille! Allô, personnage de copain. Hé, jeune vieille, regarde ce que j'ai trouvé dans les poubelles dehors. Imagine ma surprise en découvrant ton fameux travail dont on n'a rien à foutre, rempli d'épluchures de carottes. Bel espace! Oh! Pipi! Quelle intrigue incroyable! Dire qu'il y a plein d'enfants en apprentissage qui nous regardent. Pipi, tu me déçois beaucoup. Je recommencerai plus, je le promets! Bon, moi, si je rajoute un autre mot, ils vont devoir me payer cachet deuxième rôle, alors je m'en vais. Ben, c'est ça, fais donc ça! Salut, troisième rôle! Vous me direz? Oui, Pipi. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, donc! Mais bien sûr, Pipi. Jeune vieille, ça paraît-tu que le marionnettiste essaye de te pogner les boules à travers de ma tête en chiffon? Mais bien sûr, Pipi. T'aimes-tu ça?